Créé en 1986, le rallye des Brimbelles deviendra le rallye Vosgien en 1999. Eric Gonfred détient 6 victoires à son actif sur cette épreuve. En 2010, comme le rallye vosgien se déroule juste avant la manche française WRC, eh bien il constitue un véritable terrain de jeu pour les grands noms du sport auto. L'épreuve rejoindra la 2ème division en 2015 pour enfin intégrer le championnat de France 1ère division cette année. Bienvenue sur le rallye Vosges Grand Est. Madame, mademoiselle, monsieur, à ce micro, Benoît Rousseau, tout sourire, la banane comme d'habitude. Yeah.
pas mal, hein. On est dans le match avec Brian, donc ça fait une belle bagarre pour l'instant. C'est plutôt très serré après 3 spéciales, donc c'est sympa, ça annonce un beau rallye. Bon, pas comme je l'aurais espéré, pas dans un super rythme. Enfin, je suis pas en confiance totalement, c'est là que je perds pas mal de temps. Dans les parties assez rapides, techniques, comme on a pu voir dans la 3, là, c'était mieux. Écoute, ouais, bonne première boucle. Dans la première spéciale, j'ai été très prudent. J'ai pas toujours bien roulé à la note. Je me suis mis un peu un ton en dessous. Au final, c'était pas si mal. Donc on est troisième à cette heure-ci, donc c'est pas mal maintenant. Tu sais, le rallye va être long, la météo, elle va faire que changer. Donc il n'y a rien de joué. Hein, on a fait une boucle déjà, c'est bien. Spécial, ça fait une grosse chaleur, 1 km après le départ dans Bosnimpré là. Je perds la voiture un peu sur une bosse et en fait les pneus vraiment froids, elles décrochent valamment en 4. On traverse la route, on fait un très long travers, on va taper un talus. On est en plein milieu de la route, tout ça, donc vraiment grosse chaleur. C'était très très bien parti dans la première spéciale. On fait le 8e temps, donc ce qui était très très bien. Par contre, dans la longue spéciale de Hormont, on a un problème de crevaison à l'arrière gauche. On recrève à l'arrière droit dans la troisième spéciale de Moyen-Moutier. Donc vraiment, la poisse s'acharne. Donc très compliqué pour l'instant. On perd plus d'une minute à peu près. Les deux premières spéciales, ça a été correct. Pas un super choix de pneus, mais correct. Et dans le Moyen-Moutier, au bout de 500 mètres, ça a fait, il y a une droite, c'était comme du verglas. La voiture partit en tête à queue, on se pose dans un fossé. La voiture n'a rien, mais dans la boue, il n'y avait que 4-5 spectateurs. Et impossible de. On a mis 10 minutes pour sortir l'auto, il faut que je sorte, on l'a soulevé, on l'a. We'll be right back.
attends, on a eu la pluie jusqu'à l'arrivée de la dernière quasi. Ouais, c'était mouillé, après il y a eu beaucoup de pluie, mais c'est des conditions, voilà, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus pollué sur la route. En fait la pluie elle a lavé toute la boue que ça avait mis, donc bon, il y avait des cordes, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus le chantier. C'était relativement propre à part des cordes et puis du mouillé, mais après beaucoup de coulées d'eau, donc ça c'était un peu plus difficile à gérer parce que là en fait on part en accompagnie. Mais sinon voilà, bonne boucle de ce matin, on attendait la pluie, on l'a pas eu, et cet après-midi on attendait moins de pluie et on a eu beaucoup de pluie, donc on verra demain. On a eu un orage comme rarement on a vu. Ici tombait des pires que de l'eau, c'était impressionnant. Donc on a essayé de s'en sortir hein, comme tout le monde. On a fait des choix des pneus tous un peu différents les uns des autres, d'où les écarts de temps. Moi je fais une petite erreur dans Ormont, qui me coûte un peu cher. Je pense qu'on aurait pu être sur le podium à l'heure qu'il est, donc voilà, c'est intéressant. On va tout donner demain pour accrocher une place sur le podium. Oui Eric, des conditions très piégeuses, difficiles. Très difficiles, ouais, des conditions difficiles, les conditions d'un beau géant quand il pleut beaucoup d'ailleurs. Et voilà, j'avais fait le choix de ne pas prendre d'ouvreur. Je pense que ça m'a pénalisé. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est trompé deux fois dans le choix de pneus. Deux fois, on a été trop dur, enfin, pas assez tendre dans la première boucle et pas assez des pneus retaillés dans la deuxième. J'étais toujours une guerre de retard. Donc voilà, c'est assez démotivant. Moi, j'ai du mal à rentrer dans le match. Voilà, on espère faire une belle dernière étape. La deuxième boucle, mieux, un peu moins de mésaventures, c'est déjà ça. Encore un petit tête à queue, on a calé, bon c'est pas dramatique, sinon un troisième temps dans Ormont, donc c'est pas mal. Demain, on sait qu'il y a deux gros morceaux avec Corse Tendon, donc demain il y a encore de quoi faire. C'est deux spéciales qu'on apprécie vraiment, que ceux qui n'ont pas l'habitude du rallye connaissent moins bien, donc on sait qu'il y a un petit coup à faire. On va pas baisser les bras encore. Oh,
compliqué, hein. C'était chaud dans la première et pas mal de parties humides en sous-bois. J'avais l'impression de ne pas avoir roulé du mieux possible, mais au final on fait un bon temps, donc c'est cool. Et puis dans la deuxième on a attaqué aussi, on a des pneus complètement différents de Jérémy. Nous on est plutôt sur un pneu un peu mixte et lui sur un slick médium. Mais au final tu vois ça se vaut parce qu'on se rend coup pour coup, je crois que je mets 4 dixièmes, il m'en met 7 dans la deuxième, donc voilà, une boucle pour rien quoi. C'est mieux qu'hier, j'ai de meilleures sensations, là on fait le scratch, donc ça redonne de la confiance et puis j'ai envie d'attaquer et de, voilà, de mettre la pression sur les deux de devant pour espérer peut-être monter sur le podium. C'est un petit peu l'objectif atteint, on voulait repasser Pierre Rocher aujourd'hui. Ça s'est fait plus précipitamment qu'on l'aurait souhaité, et c'est parfait puisqu'il a crevé dans le fossard et donc on récupère la troisième place du Michelin, c'est parfait. Maintenant on va dérouler jusqu'à l'arrivée et ça sera bien. Écoute, très bien. La première était assez compliquée, on ne connaît pas, donc c'est très rapide, très serré et vachement caché, donc si tu n'as pas des bonnes notes, t'es un peu foutu quoi. Donc on n'a pas fait de folie là-bas dedans. La deuxième, on était bien plus à l'aise. Il y a plus de visuels, donc automatiquement c'est plus facile. Très moyen, on va dire que c'est pas mon rallye, c'est pas mon week-end, parce que hier on s'est posé dans un fossé déjà hier. Hier après-midi, mais ce matin on a crevé dans la première, donc on a reperdu une place. Je suis un peu démotivé, mais toujours content d'être au volant, on va prendre du plaisir, c'est pas le problème. Moyennement bien parce qu'on a eu un petit souci avec un capteur de coupure de boîte et donc du coup dans la première spéciale la voiture elle au cutet comme on dit et je perds une trentaine de secondes mais sinon bon ça va, on a quand même maintenu notre écart donc tout va bien. Et spécial? Bah compliqué aujourd'hui. Oui, on assure, on fait pas de conneries. Le but maintenant, c'est de rentrer ce soir et de pas faire de bêtises. On va essayer de garder notre position parce que pour le championnat, c'est parfait. On s'en sort pas trop mal. Je pense que c'était dur pour tout le monde. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ça dur. Et puis, j'avais la sensation de pas bien rouler dans la première. Être un petit peu sur la retenue parce que c'était vachement piégeux et qu'on ait le soleil dans le visage. Ça va, on fait une première boucle correcte, passable on va dire. Ce matin, c'était encore plus dur la première, il y a beaucoup de changements de rythme et d'adhérence avec du sec et du humide et j'ai eu un peu de mal ce matin. Mais on est toujours là, donc c'est le principal. La première un peu difficile quoi, on était en 21 slick, donc c'était un peu chaud puissant.
Super début de rallye, il y avait une grosse bagarre voilà, avec notamment Johan. Après c'est la course, c'est comme ça, mais ça a été dur jusqu'au bout quand même. Il a fallu tenir le cap. Et le cap, et en fait, les groupes sont tellement exigeants que même si on relâche un petit peu, on a vite fait de perdre beaucoup de temps. Et voilà, on a pu tenir jusqu'au bout, et c'est l'essentiel.